du coup Cut Round en cours. Akatsuki en CT, toujours composé de Dika, Firebolt, Niao, Xenox et Joko. Vous les avez vus, je pense, assez longuement depuis 10h ce matin. Face au Bunker eSport, on retrouve ce qu'on a déjà casté hier. Avec Tsar, Bomba, Mnak, Element, Strange et Novax. Le Cut Round qui va être remporté par les Bunker eSport. On va, je pense, switch. C'est un stay. On va rester en terreau côté bunker sur train. Assez confiant. Alors qu'on préférait en théorie, on va dire, commencer en CT. Je pense que bunker, toute l'équipe a travaillé la carte. Un plan de jeu. Très clairement. Face au mix de la carte. Les raids sont lancés. Le match va démarrer. Je vais être accompagné de la Mani Gaming TV. Akatsuki contre Bunker. Bunker en terreau, Akatsuki en CT, mon petit Mano. Ouais. C'est parti. C'est bon. Et c'est parti. Les Bunkers qui sont partis au niveau de cette 1T avec Tsar, Niao au niveau de cette CT en main immersion. Du coup, ça va être un split A qui va être proposé. On est sorti à 2 au niveau électrique. Joko va prendre déjà un midlife là-dessus. De moins 50, 53 points, lui, moins 47. Novax va éliminer Dika. En train d'arroser à travers la smoke, mais on ne trouve pas la solution. Xenox va quand même éliminer Element. Nak sur Niao. Situation de 4v3 en faveur de Bunker. Xenox, 6 petits points de vie. Joko, 43. Tsar qui va éliminer Joko. Firebolt sur Strange. Novax sur Xenox. 3 contre 1. Firebolt seul dans ce ZCT face à 3 joueurs de chez Bunker eSport. Firebolt. Firebolt qui va se éliminer par Mac. 1-0 pour Bunker eSport. Qu'as-tu pensé de ce gun run, Mano? Bah, Bunker, ils ont bien joué. Enfin, ils ont plutôt attaqué directement. Mis de l'engouement, mis directement de l'impact. Voilà. Pour sortir rapidement Akatsuki, qui quand même vient de faire, donc pour ceux qui viennent, celle de qui viendraient nous rejoindre, 108 rounds juste avant dans la demi-finale winner précédente. Alors quand on entend les langues qui se découlent, on met de l'envie, de la pression. Nak qui a repéré un joueur au niveau de ce contact, de ce pop. C'est Xenox qui va se faire éliminer. Niao derrière ce BP en backside qui va se faire éliminer également par Strange. Strange encore sur Firebolt. Dika qui va éliminer Tsar Bomba. Dika le double kill. Non, c'est Joko pardon sur Novax. Nak sur Joko. Il reste plus Dika. Dika qui va se faire éliminer par Nak. 2-0 pour Bunker eSport. Alors qu'on va regarder au niveau de la monnaie, ça risquerait d'être un round achat, voilà, côté Akatsuki. On va avoir deux Hog, deux M4 et un FAMAS sur Firebolt contre les deux AK, les deux Galil et le Scout de Novax. On est parti pour prendre le U au niveau de l'inté. Et on essaie même complètement de partir inter. On va éliminer d'ailleurs le fixe B, c'est Firebolt. Le bon petit B est pris. Tsar pour le double kill. Tsar Bomba. Joko qui va éliminer Novax. Par contre, on a l'information qu'il y a un joueur au niveau de ce contact. Est-ce que Tsar va pouvoir reprendre un kill au niveau du joueur Z? Non, pour l'instant. Il va même se faire éliminer par Dika. Situation de 3v3. Par contre, la bombe est déjà plantée. Joko qui va encore faire un kill. Voici, c'est d'être sur Nak. 3 contre 2. Strange. Strange qui ne s'en sort pas pour l'instant. Strange qui a éliminé. Element seul face à 3 joueurs de chez Akatsuki. Element. Element qui a éliminé. Et on désamorce pas. Si, ça y est, on va désamorcer. Est-ce qu'il a un diffuse? Il n'a pas de diffuse. 3-0. Qu'est-ce qu'on attendait côté Akatsuki? Tous les terreaux étaient morts. Un manque de lucidité, mon cher Mani Gaming, mon cher Manoa. C'est vrai que Akatsuki, je sais pas du tout. On cherchait encore un terroriste. À mon avis, ils sont encore dans le match d'avant qui les a énormément fatigués, je dirais. Je pense, ouais, c'est... Il y a un manque de lucidité, hein, clairement. C'est dommage parce que... La fatigue... S'il démarre le diffuse au moment où est-ce qu'il tue le dernier terroriste, ou même avant, si son collègue met un coup de kit, je pense qu'il a largement le temps de désamorcer la bombe. Hein. Oui, oui.
du coup 3-0 pour Bunker sur ce side d'attaque. Akatsuki en écho. Juste le hog. Oh, par contre, Vika qui va mettre un headshot assez autoritaire sur Novax. Au Desert Eagle là-dessus. Oh, le deuxième kill de Dika. Sar qui va se faire également un double kill. Nak qui va enchaîner. Si qui va éliminer Dika. Situation 3v2. Le double casque de Xenox pour éliminer le sniper au niveau de ce Z. C'est un petit peu décousu. Il va le cutter. Strange qui va se faire cutter par Xenox. 2 contre 2. Firebolt. Et Xenox, Firebolt qui va éliminer Tsar Bomba. Et on a la bombe en plus côté Akatsuki avec une AWP. Nak qui va mettre des dégâts sur Xenox. Et Xenox qui va remporter ce round avec un énorme double kill de Dika au niveau de ce Eton. Double headshot, nickel. Très très propre hein, de la part de Dika qui vient démarrer ce round de la meilleure des manières pour son équipe. Même si derrière Tsar Bomba fera un double kill en sortant du Z-Tero. Pour Bunker, round force buy. Ouais, ce sera un force buy côté Bunker. On va avoir qu'une AK-47 sur élément. 4 deagles. Attention à la puissance des deagles. Je vois que sur le chat il y a des supporters Bunker. Pour l'instant, on aura 3 joueurs au niveau de ce fond Eton, un joueur au niveau du U1T, la bombe en attente au niveau du Z-Tero. Attention à Dika de ne pas être trop gourmand, on pourrait se faire sortir rapidement Eton. On a un comité d'accueil emmené par Tsar Bomba. La flash, la prise d'info, et Dika qui va se faire fonctionner, c'était prévu. On avait annoncé, attention, la puissance des Deagle, elle est très putive. La bonne flash par contre pour Joko qui est obligé de se replacer. Joko qui galère un petit peu avec la M4, va quand même faire un kill, le deuxième kill de Joko, c'est bien fait. Par contre, il va se faire éliminer aussi par Strange, situation de 3 contre 3. Nio seul sur ce BP, Nio qui va quand même faire un kill, extra revenge 2 contre 2, ça part dans tous les sens. La bombe au niveau de l'exté, Strange qui a pu récupérer une arme, Novax avec le Deagle au niveau de l'électrique, là caché. Les deux joueurs CT de chaque coup, Akatsuki pardon, au niveau de ce Z. On va bait côté Novax, on va tirer une balle ou deux. Et par contre, très bien joué de la part de Strange, le bait de la part de Novax. Situation d'un contre un, Novax contre Firebolt. Novax. Et Novax qui va remporter ce round, ce force buy qui va passer pour Bunker eSport, mon cher Mano. Incroyable. Très bien joué de Novax. Il a complètement bait les joueurs CT, du coup à tirer comme ça un petit peu dans le vent au niveau de Strange, ouais. Du coup Strange a pu piquer au niveau du BP exactement et récupérer ce kill précieux pour s'offrir une situation de 1 contre 1 avec un joueur à moitié de vie. Une seule balle de Deagle suffisait pour remporter ce round, c'est ce qu'il a fait avec brio. Hein. Du coup, côté Akatsuki, on va économiser, on va prendre 2 scouts, un CZ, un 5 et un Deagle. Côté Bunker eSport, on aura 3 AK. Un Galil et un Nog. Par contre, on est en train d'off là au niveau du pop côté Xenox. C'était attendu par Strange. Situation de 5v4. Statu quo pour l'instant. On va tempo. On va attendre la prise d'information de la part des Akatsuki. C'est très bien fait de la part des Bunkers. Et ce petit jeu, c'est Element qui va en sortir vainqueur face à Firebolt. On freeze encore le jeu. Au niveau de ce U. Pour l'instant, on n'a pas pu voir les scouts s'exprimer. Mais l'activité externe, et pourtant, c'est vers l'inter que ça se dirige. On est en train de se regrouper. La bombe est en train d'arriver. On va passer par la upper B. Et très bon kill du scout de Joko. Par contre, Nak qui va le revenge. On a l'information du joueur qui est au niveau du backtrain. C'est Léman qui va s'occuper. Le one-tap de Nak. Sur 10K, 5 à 1 pour les bunkers. Je rappelle que Train est en théorie quand même une map beaucoup plus facile sur le side défense, sur le side CT. Et pourtant, les bunkers eSports sont en train de mener 5 à 1 sur le side terreau pour l'instant. Exact, ouais, c'est... Un excellent début de carte pour les bunkers. Akatsuki est très fatigué et ça se voit et ça se sent.
des erreurs un petit peu, hein, on se fait bait par des bruits de renouvelé électrique en exchange, etc. et tout. Et là, les scouts qui n'ont pas pu avoir donc d'impact vraiment. Pas assez de concentration. On a peut-être dû prendre un choix, un pic. Et à ce petit jeu, par contre, Xenox est peut-être en train de récupérer une certaine lucidité pour aller piquer le joueur NAC qui est sorti au niveau de ce Z dans la smoke. Il y avait un petit gap. Situation de 5v4 en faveur des Akatsuki. Joko qui aimerait bien récupérer un kill au niveau de ce Z. On va se replacer au niveau du green. Ah, le bon kill de Joko là-dessus sur Tsar Bomba. Situation de 5v3. Oh, par contre, il va se faire éliminer par Novax. 4 contre 3. Il y a peut-être un petit peu surjoué, hein, je pense, hein, oui. Quand même. C'est un petit peu dommage. Par contre, c'est Nio qui va éliminer. Oh, le double kill de Nio et le kill de Dika. C'était très très rapide ce que Nio vient de proposer au niveau électrique sur ce Pop Dog. Le double kill très très autoritaire. Et c'est le deuxième round pour Akatsuki. Bah là, ils ont géré. Tout part du pic à la WAP de Xenox. Ouais. Hein, sur le joueur qui est sorti Z. On l'a pas laissé s'infiltrer au niveau de l'off. Pour donner rapidement un avantage. Et derrière Joko qui était récupéré ses deux kills. Xenox qui a du mal à monter sur les décors. Les doigts qui ne répondent plus sur le clavier. Donc la du fatigue. Coup, c'est un écho sur les bunkers avec 4 digas. Le Unaka, par contre, Xenox va punir élément au niveau de ce U. Il va se replacer au niveau de l'inté. Les 4 joueurs de chez Bunker stack au niveau de l'entrée du U. Attention à Firebolt de ne pas prendre un one en coup d'épaule. Non, pour l'instant, 500 dégâts. On va cramer la Molotov. C'est exactement ce que cherchait Bunker eSport. Que Akatsuki utilise le stuff. Nak qui est en train de mettre de l'activité au niveau du pop. La bonne flash au niveau de l'upper B. Malheureusement, on ne prendra pas d'informations. Nio caché au niveau de l'électrique. La smoke. En bas de la long down. Strange qui cherche un gap au niveau de cette Eton. Novax qui s'infiltre, Eton avec Nak, il va accélérer, on va chercher le revenge, mais Dika a dit non. Double kill de Dika, au lieu de triple kill de Dika, Osterog, c'était rapide. Hein. Oui, rapide et efficace. Rapide et efficace, exactement. Énorme round de la part de Dika, 5 à 3, Akatsuki qui commence à rentrer dans ce match. Round écho à suivre pour Bunker, 5 Desert Eagle. La smoke exter qui est partie. On va wall cette smoke du côté de Nian. On va mettre un petit peu de dégâts là-dessus. Atsar Bomba, 52 points de vie. 88 pour Strange, 61 maintenant. Et on a mis les smokes partout. Et on est en train de sortir, d'investir cette exter de part et d'autre. À ce petit jeu pour l'instant, Novax va envoyer un gros one-tap. Même Signo a dit non à 2 reprises. On va prendre de lourds dégâts par contre au niveau de Joko. Xenox va prendre le kill sur élément. Le kill de Strange de Novax. Le double kill. Oh, Deagle! La balle double kill de Novax. Firebolt seul face à 2 joueurs de chez Bunker. Le joueur de Shakatsuki dans le ZCT. On n'a aucune idée de savoir où est-ce qu'il se trouve. On essaie de reprendre un petit peu d'espace, pardon, côté Bunker. À passer backside, on va en profiter en même temps pour partir à la cueillette et récupérer 2 armes. Firebolt, lui, qui prend de l'espace XT, il ne verra strictement rien, Eton. Ça se joue à des timings, regarde les deux joueurs qui se sont presque revus, mais sans se voir au final, incroyable. Du coup, Firebolt qui pense que c'est un terre, et malheureusement pour lui, ça risque de lui arriver dans le dos. C'est une histoire de timing. Novax, et qui l'a repéré, Novax il est éliminé. 6 à 3. Le jeu est injuste des fois, hein. C'est oui, une c'est... histoire vraiment de une seconde hein, pour ce,
pour prendre l'information. On peut même pas dire que c'est mal joué quoi, c'est le cours du jeu qui veut ça. Le Deagle. Et du coup Bunker comme tu dis avec le Deagle qui va mettre cette économie grâce à un énorme round encore de Novax au Desert Eagle. Il me semble qu'il a envoyé une balle sur un double kill, ça a été très très rapide. Bunker 6-3, Akatsuki va acheter avec le peu d'argent qui leur restait. On va quand même récupérer un AWP sur Xenox, même si on va casquer Tsarbomba. Laka va faire parler la poudre avec le double kill, cette fois-ci sur Xenox et Joko. Nak qui va éliminer Dika, mais Nio qui était infiltré au niveau de ce sandwich va récupérer une arme. Et pourtant Strange va éliminer Firebolt, élément sur Nio. 7-3, le bail de Akatsuki qui ne passera pas, qui va devoir en plus passer par la case économie. Round d'écho pour Akatsuki. On va avoir deux CZ, deux Deagle et un 5. Côté bunker, deux AK, une Nog, un Krieg et une AWAP. Pour l'instant, on tempo. On attend les agressions de part et d'autre. Pour punir, dès qu'on verra un joueur Akatsuki un peu trop avancé, voilà. C'est Nak qui va en faire les frais sur Niao. Xenox au contact de ce Z. Malheureusement, on n'a pas le flash pour lui faire reprendre, le faire piquer quelque chose. Et du coup, on se ravance côté Akatsuki. Attention de ne pas tomber dans le piège. Attention. Oh ! Le one tap de Dika. Oh ! C'est pas tellement vite. Son jiggle à Dika, énorme. Et là, Xenox qui est en train de s'infiltrer dans ce Z. Estrange qui attendait tranquillement au spawn terreau lui a dit non. Joko idéalement placé au niveau de ce pop. Attention à Joko. Joko est extrêmement bien placé. Oh, le Joko, le premier kill de Joko. Situation de 3 contre 3. Dika encore. Dika qui va se faire éliminer par Tsarbomba. Situation de 3 contre 2. Par contre, Firebolt est dans le cul, derrière, dans le bac. Il va peut-être pouvoir récupérer une arme. On ne s'y attend pas, peut-être pas à ce timing. Et voilà, c'est Firebolt qui va éliminer l'élément. Situation de 2v1. Mais ça va être terminé sur les balles de la Kalachnikov de Tsarbomba. 8-3 pour Bunker eSport. Les Deagle qui sont partis encore dans tous les sens. Hein. C'est vrai que le Deagle de Dika, en tout cas, il est énorme. Il coûte cher au Bunker eSport. La smoke. Resté qui part. Xenox au fusil à pompe au niveau du pop. Et Xenox entend les joueurs terroristes. Xenox, il pourrait prendre un timing là. C'est ce qu'il va faire. Il est déjà derrière eux, regarde. Xenox est derrière eux. Incroyable, regarde Xenox. Oh non! Ça va suffire peut-être pour l'instant. Non, ça ne va pas suffire. 3 contre 3. S'ils ne mettent pas ce round, Xenox va s'en vouloir. S'ils ne mettent pas ce round Akatsuki, Xenox va s'en vouloir. Il avait juste à courir encore un petit peu. Il était derrière eux, beaucoup plus proche. Il n'aurait peut-être pas pu ne pas prendre ce deuxième kill. Oh, Strange qui va rater sa balle à WP là sur l'ancien BP, l'ancien backside. Et pendant ce temps, la Novax va éliminer Firebolt au niveau de ce Z. On a l'information du dernier joueur, c'est Dika avec la WP. Dika en 1 contre 2 face à Strange et à Novax. Ça passe pas loin, Dika prend des gros dégâts dessus et qui va se faire éliminer par Novax. 9-3, l'addition qui commence à être salée. Akatsuki, à part le jiggle de Dika, en tout cas, la réussite n'est pas à son plan. On a vu Nio et Xenox essayer de se battre un petit peu, essayer de s'en sortir un petit peu, mais pour l'instant, effectivement, ça ne fait pas le travail. Le match précédent qui a dû laisser vraiment des traces, quand même, sur Akatsuki. C'est vrai que...
Et du coup, on est parti pour sortir XT au niveau des bunkers, la mollo, au niveau de ce cuver, Nak va éliminer Joko à travers la molotov, Dika avec le scout. Et Xenox au niveau de ce pop qui va éliminer gratuitement Tsar Bomba. Dika avec le scout sur Nak. Et Niao qui va éliminer Element. Même si Novax va éliminer Firebolt. Situation de 3v2. Situation de 3v1. Strange seul face à 3 joueurs. Et c'est Xenox qui a éliminé 9 à 4. Très bon round de la part de Akatsuki. On n'a pas trop compris ce que souhaitait faire Bunker eSport. Chacun un petit peu sorti de son côté. C'est pas trop aidé hein, sur ce round. C'est du solo. Décousu. Du coup, 9 à 4 quand même pour Bunker eSport sur cette terre de cette map train. On rappelle que c'est du BO1, c'est du loser bracket. Xenox au niveau de ce ZCT. Rien à se mettre sous la dent. La smoke. La naïve qui ne donnera rien. Et Niao qui va éliminer Nak avec le Krieg. Au niveau du BP. Et peut-être proposer un boost, j'ai pas vu au niveau de ce pop. En tout cas, ça a été refusé de la part du joueur de Shakatsuki. Élément. Très bonne offre de Dika au niveau de ce Eton. Même si ça va être instantanément revenge par Strange. 4v3 en faveur de Akatsuki. 2 AK, 1 Krieg. Face à la WP au deuxième 4 au Krieg de Niao. Côté Akatsuki, Bunker se doit d'aller essayer de prélever un kill rapidement. Regarde, les deux joueurs sont côte à côte. Tsar Bomba, il va être naïf. Il y a le joueur juste à gauche. Et c'est Niao qui va prendre le meilleur atout. Le double kill de Niao. Élément seul face à 3 joueurs. Élément seul maintenant face à 2 joueurs. Et ça va être puni par Xenox. 9 à 5. Dernier round pour cette première partie de carte. On va acheter. On l'espère pour eux. En tout cas, dernier round de cette première partie de carte. 9 à 5. 2 Digiol, 3 MacTen. Je pense qu'on pourrait partir sur un rush B. Avec les MacTen. Oh, en plus, Xenox qui perd du temps là à monter. Avec son sniper. Il pourrait être déçu. Et la molo qui est mise. On va l'enlever avec la smoke. Pendant ce temps, la fireball va faire double kill. Et la voix de Xenox, on l'a vu. Il est au upper B. Et pour l'instant, il est toujours vivant. La molo qui va être ratée. Il va falloir poser cette bombe. Situation de 4v3. Avec Niao qui s'est infiltré au niveau de ce bomb site. Et situation de 2v2. Oh, le kill de Novax encore. Il le touche. Oh, Novax! Le triple kill au Deagle de Novax. Novax qui a été infernal avec le Deagle sur exact. Cette carte. 17 à 8 pour Novax. 11 à 10 pour Strange. 11-12 pour Nak. 12 à 11 pour Tsar Bomba. 7 à 12 pour Element. Et côté Akatsuki. Firebolt en 7-11, Joko en 8-14, Xenox 11-10, Dika 13-11 et Nian en 14-12. On va changer de side. Les raids qui sont lancés, 10 secondes avant la reprise de ce match. Et c'est parti. Dix à cinq pour Bunker. Gun round à suivre.
le stuff qui part au niveau de l'XT. On est sorti au niveau Z, Nak était pas prêt. Même si Strange va éliminer une tête, Element va décéder sur ses balles. Joko sur Tsar Bomba. 4 contre 2, Joko encore une fois sur Novax. On va laisser Strange seul face à 3 joueurs de chez Akatsuki. Oh, le très bon kill de Joko. Le gun run remporté par Akatsuki, 10 à 6. Akatsuki a compris la tactique de Bunker au premier round. Gun. Ils sont sortis au mode CZ, ils ont complètement piégé Nak qui n'était pas du tout prêt à se prendre un bus. Il a eu quoi dessus, hein, clairement. Hein. Ça, c'est sûr. C'est surprise du chef. Rune de force de part et d'autre. Bunker avec 4 scouts. Par contre, on a smoké l'inté, on est passé. On a touché. Les grenades qui font énormément de dégâts aussi. Attention, Mac-10 qui arrive au contact. Novax qui va éliminer Xenox. 10-4 à l'OHP. Firebolt également. On lance du stuff, on a gagné du temps. Les grenades encore qui font de lourds dégâts sur les Akatsuki. Oh, le scooter, oh, il était aveuglé, Novax. Il allait faire un carnage. Oh, Tsarbomba qui vient de mettre un double kill avec une balle de scout. Ça ne passera pas. Oh, quelle balle de Tsarbomba. Il vient de doubler. T'es tellement rapide. Ça, c'est sûr. Il va conserver. Ce scout. 10 à 7. Round remporté par Akatsuki. Echo à suivre côté Bunker eSport. Round à chaque AM à suivre côté Akatsuki. Xenox va éliminer Novax. On a pris énormément de dégâts, on avait stacké l'inté, on va prendre de lourds dégâts, mais on ne tombera pas. 10k double kill avec 2 joueurs low HP, mais round remporté par Akatsuki, 10 à 8, round d'achat côté Bunker eSport. La bonne nouvelle, c'est que côté de Strange, on va pouvoir récupérer une AWP. Et ça, ça va être primordial pour pouvoir défendre sur 2 trains pour ces Bunker eSports. La flash inter pour la prise du côté Joko. En ce temps là, Tsarbomba est en train de se replacer. Long down. Alors qu'on est tombé au niveau du pop. On a qui à prendre quelques dégâts quand même là-dessus, attention. Moins 56. Et cette fois-ci, on va le dézoner avec les Molotov. Xenox qui va prendre le dessus sur Nak, Element sur Xenox. Niao qui a tué Element. Situation à l'avantage pour l'instant d'Akatsuki. Même si Novax va rééquilibrer les choses, ça va être du 3 contre 3. Et pour l'instant, on est passé un T côté Joko. Joko qui met de gros dégâts là-dessus sur Strange. Très bon kill de Novax. Firebolt seul face à 3 joueurs de chez Bunker eSport. Le round qui va être remporté par les Bunker eSports. Ah, 11 à 8 en faveur de Bunker.
va être la WAP du côté The Strange. Un round force by côté Akatsuki. On aura quand même 3 AK, un Krieg et un Mac-10. Ils sont en train de partir de part et d'autre. L'H qui va enlever quand même 33 points de vie à Novax. C'est en train de se troll. Il y a de l'ambiance. 11 à 8. Alors qu'on est en train de sortir d'extérieur, Ena qui va ouvrir le compteur sur Xenox, Strange sur Joko. Attention à Element, bien placé, on va enlever Marion de points de vie, 3 et 7 points de vie côté Akatsuki. Plus 3 points de vie sur Nio, il reste plus de 10K. DK qui va faire double kill. 10K pour le 1v3. Oh, le one tap de DK. Le 3K de DK. Il est juste insane. Geek. DK est en roue libre totalement. Incroyable. Oh. 11 à 9. Rune Deco côté Bunker Esports. Les Akatsuki qui ont une chance là de pouvoir recoller à un petit point des bunkers. Et on est en train de s'empaler un T malheureusement là pour les Akatsuki. C'est de l'écho en plus. Situation d'un contre un. Novax face à Niao. Novax il va mettre des dégâts à Niao. Quand il va récupérer une AK et une flash. Novax en un contre un. Novax il va remporter ce round. C'était de l'économie. On s'est empalé un T sur un stack inter. Ça se rend coup pour coup. 12 à 9 pour Bunker. Incroyable. Je rappelle que le perdant de ce match sera éliminé de la compétition et que le vainqueur va aller rencontrer Code Brescia qu'on streamera juste après. 12 à 9 pour Bunker qui met cette économie. Alors là on est en train de s'empaler un terre là côté Akatsuki. C'est un carnage. Et c'est Nak à la réception qui va remplir tout ça dans son beau petit sac à dos. C'est un magnifique perfect de Bunker Esports qui ne perdra aucune arme. 13 à 9. Attention à Akatsuki. Il est grand temps de commencer à taper dans le porte-monnaie des bunkers. Qui plus est de mettre des rounds. Joko qui a éliminé l'élément au Deagle. De Nak, par contre, c'est Riven, entraînement par Nio. Novax, le kill de Novax, le double kill de Novax. 3 contre 1, Firebolt seul face à. Oh, Firebolt, le tout tap dans la tête à Tsar. Bomba. Il a repéré le joueur. Il a repéré le joueur, Firebolt. Normalement, il l'a vu. Il a dû voir Novax. Novax qui est déjà sur un double kill pour l'instant sur ce round. Firebolt. Et Firebolt qui a terminé par la WAP de Strange. 14 à 9. On se rapproche peut-être de la fin de cette partie, mon cher Mano. Sur deux train entre Akatsuki et Bunker Esports. On va regarder un petit peu les finances côté Akatsuki. C'est vraiment pas du tout, comme tu peux le voir, la panacée. Est-ce qu'on va c'est prendre le risque de forcer ou est-ce qu'on va économiser pour jouer le draw? La réponse, on force. On ne jouera pas le draw. On va voir au niveau de ce force, 2 AK, 2 Deagle et 1 UMP alors que côté de ces Bunker Esports, 3 M4, 1 AK et 1 AWP. La WP sur Strange comme d'habitude.
côté Akatsuki. On est en train de le contrôler. On va vraisemblablement faire un split externe en passant à deux par le pop, deux au niveau de ce Z. Et on a un joueur, c'est Xenox, au niveau de la Ivy de Litton. Pour l'instant, statu quo, en train de tempo. On s'est revu là au niveau Litton. Pas de Novax pour cette pique. Sans conséquence pour l'instant, Novax qui va prendre des kills. Par contre là c'est Firebolt qui va prendre un énorme double kill au Deagle et qui va récupérer une M4 et qui va éliminer, même si derrière Novax va encore faire un énorme double kill, mais ça va être revenge par Dika. Il restera plus que Tsar Bomba en 1v2 maintenant, en 1 contre 1, bombe au sol, Tsar Bomba face à Xenox. Oh, le kill de Xenox. Un round qui va passer pour Akatsuki, 14 à 10. On va voir un petit peu les finances côté Bunker eSport. On va acheter à notre tour côté Bunker. Une Nawab toujours sur Strange, une Nog, deux M4 et un FAMAS. C'est noté Wonka. On va pas passer rapidement Novax. On va faire tout de suite ce petit test antidopage. Nio avec le scout au niveau de ce Z-Tero. En train d'essayer de chercher une cible à abattre. Strange au niveau de cette Ivy avec son AWP. On laisse pour un temps laisser parler les fusils à lunettes. La très bonne grenade, malheureusement elle a rebondi juste avant. Elle fera moins de dégâts que ce qui était prévu. Xenox qui va cross la smoke. Attention à pas être naïf côté Bunker eSport sur le joueur qui s'est infiltré, Eaton. Attention, oh c'est très bien joué, regarde Xenox il l'a vu, il l'a pas tiré. Ils ont totalement laissé Xenox s'infiltrer. Alors là, ça pourrait coûter très cher au Bunker. Ça va coûter très cher au Bunker. Xenox qui va repérer un joueur, un deuxième joueur. Même s'il va se faire éliminer par élément, Dika de son côté a éliminé Strange, Joko sur élément. 4v1 et c'est un keep pour NAC. 14 à 11, on a laissé s'infiltrer le joueur au niveau de cette Ivy. Round d'économie à suivre, au moins un du côté de Bunker eSport. Cette AK-47 est très précieuse, il faut la sauvegarder côté NAC. On va faire un petit point au niveau du tableau Discord. Côté Akatsuki, Firebolt en 13-18, Joko en 16-21, Xenox en 19-19, Nian en 19-19 et Dika en 23-18. Côté Bunker eSports, Element en 10-21, Strange en 17-17, Hercule Tsaro alias Star Bomba en 17-18, NAC en 23-20 et Noax pour l'instant avec un KD de 2 sur un nuage en 28-14. Element avec le Taser au niveau de ce pop, Xenox va éliminer NAC. La grenade au niveau de ce pop qui va enlever de précieux points de santé éléments au nombre de 47. Joko qui a pris un énorme casque, 35 points de vie, attention. Et le Joko pointé, il y a Dika qui va suivre également sur Novax. C'est 2 pour 0, Strange va avec son AK éliminer Firebolt. 4 contre 2. Il y a un joueur juste au-dessus, décidément le pauvre élément. Il a vu personne du Rune, il a pris deux grenades, il a plus que 7 points de vie. Ouais. Lui il a joué avec la société. Élément qui cherche à mettre un petit coup de taser. Il est malin, derrière lui. Derrière lui, il va s'arcuter. Circuité par Xenox. Ah,
14 à 12 en faveur de Bunker eSport toujours. Akatsuki qui est en train de remonter. Bunker eSport en round d'achat. Deux FAMAS, l'AK conservé par Strange, un Hog et une M4. Je rappelle que juste après ce match, on basculera donc pour le vainqueur de celui-ci face au code Ryuz, au code Blech de Maiden Pass 52 et Smigand. Tsarbomba qui a pris énormément de dégâts. Un joueur s'est infiltré en plus. La énorme hache de Joko pour éliminer le fixe B. Joko qui vient de faire déjà un énorme travail. Strange qui a mollo le BPB. Et Joko encore dans ses œuvres. Double kill de Joko sur ce round. On ne l'arrête plus. Joko qui est en train de prendre un petit peu de hauteur. Joko pour le troisième kill. Ça en fait déjà que ça lui volait. Il va décéder sur les balles de Novax. Situation de 3 contre 2. Élément et Novax face à Dika, Nian et Xenox. On va flasher pour faire sortir Élément de la smoke, je pense. Voilà la flash qui est partie. C'est bien joué de la part de l'élément qui va se débarrasser de Xenox. Malheureusement, Nian va prendre le meilleur sur lui. Novax en a un V2. Novax il va mettre un coup de kit. On va le décaler en haut et en bas. On va prendre qu'un kill. C'était impossible à mettre là pour Novax. Les Akatsuki qui ont extrêmement bien joué. 14 à 13. Ne me dites pas qu'on va repartir sur de l'overtime. J'espère pas. Si on part sur de l'overtime, on ne caste plus la lame Akatsuki. Ouais. On arrête. Même s'ils sont en grande finale, on ne casse pas la grande finale. Oh, ok. On laisse l'autodirecteur faire. Tout compris. Un métier, moi, demain. Bah, Bunker de Tsarbomba qui vont faire un off au niveau de l'Inté pour éliminer rapidement Joko. Parce que pendant ce temps-là, au niveau du bas tour, ça va être Novax avec très très peu de points de vie qui va enlever énormément de dégâts à Firebolt. Pensons à Nio et Dika vont faire le ménage XT. Novax étrange. Le double kill de Dika. Tsarbomba qui va se faire décapiter. Dika qui est infernal sur cette carte. Il ne restera plus que Nak. Nak en a un contre 4. On va partir sur un 14-14. Est-ce que ça sent le 15-15 de l'overtime? Non. 14 et le kill de Dika, triple kill de Dika, encore une fois, Dika qui en 28-18 avec Novax, pour l'instant ils sont au-dessus vraiment principalement de leur équipe respective. Bah 14-14 hein, pour longtemps. Ouais comme tu dis 14-14. Ça ne sent pas bon, le très bon TK là sur Nian. Alors que au niveau... On va être un de sortie Z. On va mettre la hache interdit. Il n'y aura pas de joueur CT dessus. Oh, l'énorme kill de Nian sur Novax. Au Krieg, 3 HP, mais ça suffit pour tenir debout. Double AWAP de la part de Bunker. Exactement. Sur Strange et sur Nak. La smoke. Sortie extérieure. Double smoke. Flash, flash. On est en train d'envoyer un gros appel XT. Du coup, on a backup. Et pourtant, on sait bien que ça va se passer. Tsarbomba, c'est au-dessus de lui. C'est juste au-dessus de lui. Et c'est Xenox qui va ouvrir le feu. Et Tsarbomba qui va complètement se rater, qui va faire aucun kill. Situation de 3v2.
Élément Enak face à Firebolt, Dika et Xenox. La bonne mollo. Le kill de Firebolt sur Nak. Élément sur Firebolt. On le diffuse. Et ça va être éliminé par Dika. 15-14. Allez. Allez, Akatsuki. Pas 15-15, s'il vous plaît. 15-15. Allez, il faut absolument que Bunker mette ce round pour partir en overtime. Alors qu'un autre match, comme vous pouvez l'entendre, vient de se terminer. Bunker avec une M4, un Nog, un FAMAS, un PM et un Deagle. Malheureusement, on va perdre tout de suite l'M4 de Tsar Bomba. Situation de 5v4, attention. Nak au niveau de ce close Z. On pourrait mettre une flash pour Nak là. Ça serait intéressant si Strange en avait une. Alors, il en a une en plus. Il est grand temps de flasher ce Z. Mais non, Strange. 5v3, il y a danger pour Bunker. Et du coup, on y va quand même avec les balls. Nak dans ce Z pour aller déloger Niao. C'était tellement plus simple avec la flash de Strange. Ça crée une difficulté pour rien. Nak qui entend le joueur en train de scoper dans ce Z. Et c'est Dika qui va le sortir. Et le double kill de Dika. Dika qui est infernal. Attention, 4v1. Est-ce que Bunker va vraiment se faire éliminer? 4 contre 1. Élément seul face à Dika. Firebolt, Xenox et Joko. Le premier kill d'élément. Il va récupérer la Kalashnikov. 68 points de vie. Mais c'est Dika qui va faire un triple kill. Et c'est la sortie des Bunkers à la surprise générale contre cette équipe qui, on pensait, avait été fatiguée des 108 rounds du BO3 précédent et qui, au final, a su refaire une fin exact. De carte sur deux trains et surtout un side terreau en mix extraordinaire. Pharus, une équipe exact. Bunker qu'on pensait vraiment globalement en place, qui en plus avait pris le choix de démarrer en terroriste. C'était juste à la surprise générale un match fou. Et donc, voilà, Bunker qui sort de cette PXL 50 face au mix. Eh bien, écoutez, surprise. Décidément, on aura tout.